Salut, Kid. T'as manqué une belle flambée. Ouais. Dommage pour Nassau. Et Barbe Noire a quitté le navire. On va s'occuper de Satch. Ben est parti le voir et je m'apprête à le rejoindre. C'est tout ce qu'il reste de votre expérience démocratique? Ouais. On fait ce qui nous plaît ici, on le fait en prenant notre temps. Nom de Dieu, Edward. Il y a vraiment que l'odeur de l'or qui te titille le nez. Hé, hey, quelle mouche t'a piqué? La réalité, mon ami. La réalité. Ne te laisse pas entraîner dans le sillage de Sra décadent. Oh! J'ai survécu plus longtemps que la plupart de mes semblables. Satch. Il est mieux demeurer ici, est-ce qu'il dit. Qu'il crève. Et que tous ceux qui suivront ce chien galeux dans l'oubli finissent pendus. Je maudis cette pourriture. Je sais que t'es venu me ramener au bercail, Kenway. Fidélité t'honore. Mais après ce qui s'est passé à Nassau, je sens que je suis fini. Je partage pas ton avis, Ed. Mais je te reprocherai pas de voir les choses en face. Tu es toujours à la recherche de ce sage? Ouais. Il y a un mois, en faisant une prise, j'ai appris qu'un homme du nom de Roberts travaillait sur un navire négrier. Le Princess. Tu pourrais chercher par là. Le Princess. Merci, Satch. Nom d'un chien, tu vas pas rester planté là comme un hareng. C'est ma retraite qu'on célèbre. Débouche donc, mon petit déjeuner. Garde-nous quelques bouteilles. Ce qui bouge. Il y avait un déserteur parmi eux et il s'est souvenu de ma trogne. Il vient de trancher le gosier avant qu'il ait pu dire un mot. Quelqu'un t'a vu? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que Kenway soupçonne quelque chose. Il n'y a pas grand-chose qui lui échappe. Qu'est-ce que tu sais sur la plage? Une belle assemblée de soudards, trop sous pour tenir debout. Voilà qui fait notre affaire. Parle-moi un peu d'Edward Teach. Quel genre d'homme est-il? C'est Satch, monsieur. Du moins, c'est à ce nom qu'il répond. Mais il est complètement... pas plus aimant que lui. Au diable de ses inepties, sois précis. Oui, monsieur. Satch aime la boisson, mais pas n'importe laquelle. Lorsqu'il prend un rum trip, il rajoute une bonne dose de poudre à canon sur le dessus. Ai-je bien entendu?
Il boite la poudre à canon. Dicer, pour la galerie. Vous savez ce qu'il a fait la semaine dernière? Il a rassemblé une vingtaine de marins sur l'équipage et il nous a enfermés dans la cale pendant qu'il brûlait du soufre et d'autres minéraux écœurants. On est resté assis là comme dans l'une des fosses de l'enfer. Grand Dieu! Pourquoi a-t-il fait ça? Il aime mettre son équipage à l'épreuve. Voir à quel point ces hommes sont coriaces. Mais personne n'est aussi coriace que lui. J'ai bien cru y laisser la vie, misérable sauvage. Ne craignez rien, soldat. Nous allons en finir avec eux. Allez, c'est le moment. Vite, envoyez le signal. Et souvenez-vous à jamais. Par l'enfer. Diable m'emporte. Où est le Jackdaw? Thank you.
message, capitaine. S'en est sorti? Capitaine. Il boit en compagnie du diable.